Bonjour à tous, nous voici de nouveau connectés en direct depuis Océanopolis, Centre National de Culture Scientifique dédié à l'océan. Comme évoqué hier, ce rendez-vous est proposé dans le cadre du déroulement de la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui sera cette année organisée et présidée par la France en juin. Alors c'est aussi l'occasion de mieux comprendre les grands enjeux qui se concentrent au niveau des pôles et également de découvrir les travaux de recherche réalisée par les Français. Alors, ce rendez-vous est co-organisé par l'Institut Polaire Français et Océanopolis. L'Institut Polaire Français est partenaire scientifique d'Océanopolis depuis de longues dates et c'est une agence qui regroupe les moyens et les compétences au service de la recherche scientifique au niveau des régions polaires. Alors, cet après-midi, nous allons continuer de découvrir une très belle exposition qui s'appelle « Animaux polaires, une vie de scientifique ». Et pour la découvrir, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné par Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Lionel. Alors Lucie, hier nous avons découvert trois scientifiques, Yann Roper-Couder. Nous avons également découvert Christophe Guinet et Cyril Gallu, respectivement. L'un travaille sur les manchots d'Adélie, le second sur les éléphants de mer, les orques. Et Cyril Gallu plonge au plus près de la macrofaune benthique. On a bien compris que le suivi des populations était très important, comprendre finalement leur évolution dans un contexte de changement global. Cet après-midi, Lucie, nous allons découvrir trois nouveaux scientifiques et donc trois nouveaux totems. Oui, tout à fait. Nous partons à nouveau à la rencontre de trois chercheurs et de la faune polaire qui fait l'objet de leurs recherches. Alors, en commençant l'après-midi en compagnie de Jean-Louis Martin, qui est chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et de ses oies des neiges. D'accord. Ensuite, on s'intéressera aux amibathèques. Les amibathèques. Oui, il va falloir sortir les microscopes, car les amibathèques, ce sont des organismes unicellulaires microscopiques. Très bien. Et c'est Éric Armino du Châtelet, qui est maître de conférence à l'Université de Lille 1 et membre du laboratoire d'océanologie et de géosciences, qui va nous en parler. D'accord. Et alors, la troisième personne? Et oui, on clôturera l'après-midi avec Isabelle Charrier, qui est chercheure à l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay et qui nous emmènera en Arctique sur la trace des pinnipèdes que tu connais bien, il me semble, puisque vous en avez quelques spécimens à Océanopolis. Très bien. Encore un programme qui est très riche. Les internautes, vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à mettre vos réactions, vos questions dans le fil de discussion de Facebook, du Facebook de l'Institut Polaire Français ou du Facebook d'Océanopolis. Vos questions, vos remarques seront relayées en direct et nous pourrons ainsi en parler. Lucie, par quel scientifique commençons-nous? Quel sujet, s'il te plaît? Tout de suite, on part en Arctique avec Jean-Louis Martin, qui travaille, je le disais, sur les oies des neiges. Alors, contrairement à beaucoup d'espèces dont on a parlé notamment hier, l'oie des neiges n'est pas spécialement menacée par le changement climatique. D'accord. On va le voir, j'aime beaucoup ce sujet parce qu'il illustre bien l'effet papillon dont on parle de temps en temps. Alors cette fois-ci, ni papillon ni tornade, mais par contre on va parler de la destruction de l'habitat des oies et de l'expansion de l'agriculture et de l'autre côté de l'expansion des colonies d'oies, au détriment parfois des autres oiseaux de l'Arctique. D'accord, écoute, on lance le reportage et ensuite on se retrouve dans le forum pour découvrir le totem. A tout de suite. Je m'appelle Jean-Louis Martin, je suis directeur de recherche au CNRS, depuis peu directeur de recherche émérite. Et je suis basé, mon camp de base est au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui est basé à Montpellier, donc un gros laboratoire d'écologie où on a des problématiques très diversifiées. Donc je suis écologue au CNRS.
Et donc, je suis censé produire de la connaissance à partir de travaux de terrain ou de laboratoire qu'on transforme ensuite en publication. Et pour faire ce métier, j'ai suivi une formation d'abord d'ingénieur agronome et puis une formation universitaire en faisant une thèse en écologie à l'Université de Montpellier. D'accord. Et comment ou pourquoi, je ne sais pas, des deux, vous êtes arrivé au métier de chercheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'être écologue? Je pense que au départ, moi, j'avais dans mon adolescence, j'avais un fort intérêt pour la nature et donc j'avais envie d'un métier où, je me rappelle l'avoir dit à un conseiller d'orientation, où à la fois on est en contact avec la nature, mais où quand même on a besoin de réfléchir un petit peu. Donc c'était une sorte de définition peut-être du métier de chercheur, même si pour moi à l'époque, chercheur, être savant, c'était quelque chose qui était fait pour les autres. Et ensuite, en fait, j'ai au cours de mes études commencé une formation de troisième cycle, et là je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient une passion de la nature, des oiseaux, etc., qui en avaient fait un métier. Et donc, j'ai tenté ma chance. Et à l'époque, quand j'ai eu le feu vert, j'avais l'impression d'avoir gagné le gros lot, on va dire. Et donc, quel est votre projet de recherche? J'ai eu plusieurs projets de recherche qui s'intéressaient d'une part aux conséquences écologiques de la modification de l'utilisation des terres. J'ai également travaillé sur les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, c'est-à-dire les relations entre les espèces, celles qui mangent, celles qui se font manger, avec un gros programme dans l'ouest du Canada, qui dans des forêts on avait des populations de cervidés de densité variable. Et puis j'avais toujours un petit jardin secret sur les milieux arctiques où j'avais eu l'occasion de faire quelques missions. Et donc là, récemment, il s'est avéré qu'un site qu'on avait visité il y a plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans, et qui était extrêmement riche en petits échassiers, avait été modifié par des herbivores, mais là, ce n'était pas des cerfs, mais des oies. Et donc, l'idée était de voir quelles étaient les conséquences de l'arrivée de ces oies, dont les populations avaient explosé, justement du fait de changement d'utilisation des terres dans le sud, où on a vu que l'expansion de l'agriculture, ce qui a fait suite à la colonisation par les Européens, a ouvert énormément de terrains d'alimentation pour ces animaux en hiver, dans les champs, ce qui a explosé leur capacité de survie en hiver et donc a enclenché une augmentation quasi exponentielle de leur population, qui niche donc espèces qui nichent dans l'Arctique, où donc elles vont affecter les milieux par leur consommation de la végétation. Ce que vous expliquez, si je reprends l'historique, c'est qu'au moment de la colonisation des terres arctiques, l'agriculture est arrivée. Et c'est l'arrivée de l'agriculture qui a provoqué une augmentation de ces populations d'oies? Non, en fait, pas tout à fait. En fait, l'Arctique, lui, n'a pas vu se développer l'agriculture. Il est resté égal à lui-même, modulo les changements actuels du climat, donc le réchauffement. Ce qui s'est passé, c'est que ces espèces nichent dans l'Arctique en été, donc en juin, juillet, donc un été qui est très court, et ensuite migre à l'automne dans le sud, donc le centre et le sud des États-Unis. Et dans ces régions-là, traditionnellement, historiquement, elles hivernaient dans des milieux, des marais, des milieux humides, donc qui avaient une superficie limitée. Entre-temps, avec l'arrivée des Européens en Amérique, ces milieux humides ont été pas mal détruits par drainage, un petit peu comme ce qui s'est passé chez nous en Europe. Et en même temps, la forêt a été défrichée pour être remplacée par de l'agriculture. Et donc, en hiver, ces champs qui avaient été moissonnés ou récoltés, mais abritaient énormément de nourriture, des pertes de grains ou de la végétation qui pousse. Et donc, ces oiseaux ont déménagé, un peu contraints et forcés, des milieux humides vers ces milieux agricoles, mais qui avaient donc des superficies qui étaient plusieurs ordres de grandeur supérieures à ce à quoi ils avaient accès avant. Et donc, avant, leur population était contrôlée par la survie hivernale, puisqu'ils avaient des ressources limitées. Et maintenant, ils ont des ressources quasi illimitées.
Et donc, leur population augmente et donc elle colonise de plus en plus d'espace dans l'Arctique. L'Arctique était très peu occupée par ces espèces parce qu'elle n'avait pas les moyens à l'époque en termes de population de le faire. Alors qu'aujourd'hui, en étant passé de quelques 100 000 à, si ma mère est exacte, à près de plus de 15 millions d'individus, eh bien, petit à petit, on a des nouvelles colonies qui se créent et qui donc modifient le milieu parce que du fait de la pression d'abrutissement. D'accord. Donc, si je comprends bien, votre recherche, votre travail auprès des oies, c'est plutôt votre travail auprès des, enfin, votre question sur les conséquences écologiques d'un animal sur un environnement. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Je veux dire, il se trouve que quand on est allé sur ce site d'études il y a 25 ans, notre objet était de voir ce qu'il y avait, un petit peu de faire l'inventaire et de poser quelques questions fondamentales sur ces communautés d'oiseaux qui étaient donc à l'époque essentiellement composées de petits échassiers, de ce qu'on appelle des limicoles. Donc, c'est des oiseaux qui nichent dans la toundra herbeuse en particulier. Et on a trouvé que ce site, qui est donc situé sur l'île du Prince Charles dans l'Arctique canadien, était un haut lieu de nidification pour ces espèces, ce qui a d'ailleurs fait envisager la création d'une réserve faunique dans cette région du fait de ces très fortes populations de petits limicoles qui, par ailleurs, sont menacées comme des tas d'espèces, ou au moins en déclin. Et donc, à l'époque, les oies dont on parle, les oies des neiges, étaient à venait d'arriver, était présente quelques dizaines d'individus. Et donc, c'est entre-temps que cette population s'est installée. Et on a maintenant des colonies qui peuvent avoir entre 500, 1000, voire plus couples par hectare. Donc, il faut imaginer, ces couples ont entre 2 et 4 poussins. Et ces 2 ou 4 ces poussins doivent atteindre la taille adulte en moins de 2 mois. Donc, vous pouvez imaginer la consommation de végétation qui est nécessaire pour à la fois maintenir les adultes et faire pousser les petits. Et donc, on est bien, si je comprends bien, les changements climatiques en eux-mêmes n'ont pas d'influence sur cet abrutissement augmenté, mais c'est un changement anthropique, hein, comme on dit, dans les zones de migration. Tout à fait. Ça, c'est le changement dans le sud a permis cette expansion des colonies dans le nord. Alors, le changement climatique, bien sûr, il existe. Hein, on a bien vu ça sur notre site d'études 25 ans après. La première année où on était, on allait se promener sur la banquise qui était solide encore en juin-juillet. Alors que maintenant, quand on regarde de loin, c'est plutôt le bleu méditerranéen qu'on voit à l'horizon, même si la température de l'eau est loin d'être celle de la Méditerranée. Et donc, les températures ont augmenté et donc, il y a certainement une combinaison de cet effet avec l'effet de l'abrutissement, parce que l'abrutissement enlève la végétation, enlève également, empêche également une litière de se former sur le sol. Litière, c'est un matelas de végétation sèche, d'herbe sèche de l'année précédente, ce qu'on observait lors de la première visite. Et tout ça, c'est un petit peu un matelas isolant qui protège le permafrost. Donc, ce matelas, il a disparu. On a constaté que les milieux herbacés étaient devenus des étendues de mousse dans lesquelles on s'enfonce jusqu'à mi-mollet par endroit, voire plus, du fait de la fonte et de l'accumulation de l'eau. Donc, il y a certainement des effets climatiques qui vont interférer. Et donc, on essaye, en espérant pouvoir y retourner, avec une collègue, essayer de comprendre un petit peu aussi ces effets sur les échanges de gaz entre la toundra et l'atmosphère. Projet beaucoup plus compliqué, mais il est clair que les deux facteurs interagissent, mais qu'aujourd'hui, ce qui a modifié de façon colossale le paysage et la capacité d'accueil de ces milieux, de ces petits échassiers, a été essentiellement le fait de la présence de ces oies. Mais ça veut dire que dans ces territoires-là, les oies n'ont pas de prédateurs ? Alors, elles ont, en fait, elles n'ont pas une forte pression de prédation. Alors, les prédateurs, les gens, les espèces qui se sont dit chic, 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 il y a une ressource qui arrive, c'est d'une part le renard polaire,
Il, lui, collectionne les œufs, donc on voit passer les renards avec un œuf dans la gueule, et qui vont enterrer, et donc nous, au printemps, et qui vont consommer en hiver. Et donc nous, au printemps, en marchant sur la toundra, on trouve justement un petit peu, c'est un petit peu le syndrome du coquetier, l'œuf enfoncé dans le sol, décapité, comme vous, dans votre coquetier, et le contenu vidé. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que les renards peuvent aussi prédater un petit peu les poussins. Et enfin, un autre acteur qui, justement, a été affecté par le changement climatique, c'est l'ours polaire. Quand nous y étions la première année, comme je vous disais, il y a 25 ans, la banquise était ferme et les ours avaient le casse-croûte qui était prêt sous forme de phoque, etc. Et aujourd'hui, il y a très peu de glace qui reste, donc les ours sont plus contraints à venir sur la côte et donc à viser les endroits où il y a des colonies d'oies. Et donc là, ils vont se gaver non pas d'œufs à la coque, mais d'œufs crus, avec des poussins plus ou moins développés. Et donc, ils passent d'un nid à l'autre pour se gaver. Et ensuite, ils s'allongent quelque part pour faire une sieste de quelques heures, ce qui empêche les chercheurs de faire leur travail, parce qu'il n'est pas question de sortir du petit enclos dans lequel on s'enferme, électrifié dans lequel on s'enferme, pendant la présence de ses voisins qui ont la priorité. Si on avait affaire à une petite colonie d'oies, la visite d'un ours pourrait avoir un effet assez dévastateur. Mais vu qu'on a affaire à des colonies qui ont des milliers et des milliers d'individus présents et donc de nids, la visite de temps en temps d'un ou deux ours ne peut avoir qu'un effet complètement marginal sur la dynamique de ces populations. Donc c'est vraiment un épiphénomène, je dirais. Donc les oies des neiges, d'une certaine manière, elles condamnent le milieu où elles s'installent. C'est un petit peu ce qu'on essaye de voir, jusqu'à quel point elles condamnent ce milieu où elles s'installent. Donc l'impact de ces oies sur le milieu est très important et donc induit une forte modification. Ceci d'autant plus que non seulement elles commencent par consommer la végétation présente et donc empêchent la formation d'une litière, empêchent la pousse de l'herbe ou la limitent fortement, mais ensuite, une fois que cette ressource arrive à sa fin, elles se mettent à faire ce qu'on appelle en anglais le grubbing, c'est-à-dire à arracher la mousse pour accéder aux rhizomes et donc arracher et consommer les rhizomes de ces plantes herbacées, ce qui fait qu'on aboutit à un niveau de dégradation qui empêche ou ralentit, empêche la restauration ou en tout cas, à notre échelle de temps, la rend assez illusoire. Ça voudrait dire qu'une des solutions, ce serait de limiter l'augmentation des populations des oies. Mais est-ce que votre travail de recherche a pour un des objectifs, c'est de donner des recommandations dans ce sens-là, ou vous êtes sur un état de l'art, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme ça, et l'évolution va être va être comme ça, et vous n'êtes pas là pour donner en fait des solutions. L'objectif fondamental de la recherche, c'est d'avoir une étude de cas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs qui travaillaient dans le Nord se rendaient compte de l'expansion de ces oies, savaient que ça avait un effet sur la végétation, que certaines des espèces importantes de ces milieux dépendaient de cette végétation. Mais donc tout ça, c'était des déductions. Et donc ils se sont dit ce serait bien d'avoir une étude de cas. Et il se trouve que nous, un petit peu de façon fortuite, on avait des données d'origine et des données suffisamment précises où on avait mesuré la végétation, on avait mesuré des tas de choses. Et donc, on avait une occasion unique d'avoir un avant et un après, ce qu'on n'a souvent pas la possibilité d'avoir en écologie. Et donc, de mesurer l'ampleur du phénomène, jusqu'à quel point les espèces qui nichaient là à l'origine sont capables de continuer à nicher, ou jusqu'à quelles sont les espèces qui sont le plus affectées. Et ensuite, ça peut se traduire peut-être par des politiques de prélèvement, par la chasse plus importante. Et après, ça permet aussi de voir à une plus vaste échelle, parce qu'il y a des inventaires qui se font à plus vaste échelle, s'il y a des zones qui échappent pour une raison X ou Y aux oies, et si ce qui reste comme, quelle est la viabilité du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais directement, on ne va pas, nous, avoir de préconisations parce que je pense que c'est un phénomène qui a une échelle, une ampleur très importante.
Après, c'est sûr qu'augmenter les prélèvements par la chasse, c'est possible, mais après, ça va se heurter peut-être à d'autres problèmes sociétaux ou éthiques, voilà, qui sont réels. Hein. Oui, tout à fait. Justement, je me posais la question, est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous travaillez sur le terrain ? Donc voilà, donc quand on trouve un nid, parmi les choses qu'on fait, c'est mesurer les œufs, c'est compter les œufs, en général il y en a quatre, c'est identifier l'espèce qui occupe ce nid, et on essaye aussi de faire le plus vite possible pour éviter que ces nids soient prédatés, soit par un renard, soit par un goéland ou un labe. Et une des choses qu'on fait, parce qu'on est intéressé par la survie de ces nids, donc s'ils arrivent à terme, c'est de flotter les œufs. Donc pour flotter les œufs, on a un petit verre transparent dans lequel on met de l'eau et on met un ou deux de ces œufs dedans. Et en fonction de la profondeur, soit il coule complètement au fond, il reste vertical, soit il va commencer à monter, il s'incline et il va se mettre à dépasser de 1, 2, voire plus millimètres. En fonction de ces différents critères, profondeur, inclinaison et quantité de l'œuf qui dépasse, on va être capable de dire que cet œuf vient d'être pondu, ou que ça fait 3 ou 4 jours qu'il a été incubé, ou 10 jours. Et donc, on peut estimer, sachant que ces espèces incubent 12 jours, 14 jours, on peut donc estimer le moment de l'éclosion. Et donc, on peut planifier une deuxième visite qui permet de voir si ces œufs, cette ponte a éclos avec succès. Ou si elle a été en échec, soit par prédation, soit par abandon du nid. Qu'est-ce qui vous a amené au monde polaire ? Pourquoi c'est un jardin secret ? Qu'est-ce qui vous fascine ? Souvent, je pense que je devais avoir un ancêtre, comme en fait peut-être beaucoup d'entre nous, qui était chasseur de rennes, à mon avis, mais je pense que c'était ça. Mais ceci dit, non, j'ai pour une raison, peut-être c'est les lectures, c'est, ou peut-être la lecture d'Apoutsiak, mais ça je ne suis pas sûr, je pense que je l'ai lu à ma fille, mais moi je ne pense pas que je l'ai eu quand j'étais petit, de Paul-Émile Victor. Non, c'est une fascination pour le Nord, hein, le Nord en général, et donc j'ai commencé à visiter le Nord européen. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'y aller, à titre individuel et trouver des petites choses intéressantes d'un point de vue ornithologique en terre de Baffin. Et ensuite, du fait de mes collaborateurs canadiens, à un moment donné, c'est trouver l'idée de monter un petit projet de recherche sur l'île du Prince Charles. Et donc là, j'avais contacté l'IPEV, à l'époque c'était Franck Delbar. Et l'IPEV m'a répondu, ben oui, c'est ce genre de questions nous intéresse. En fait, l'appel d'offres vient, on était vendredi, l'appel d'offres est normalement clos aujourd'hui, mais si vous envoyez quelque chose lundi, c'est encore bon. Ce que j'ai fait, et je vous avoue qu'on a dû monter un projet de recherche sans trop savoir ce qu'il y avait sur cette île, puisqu'un des objets, c'était de justement savoir ce qu'il y avait. Et donc, on avait emmené des tas de petites idées à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre. Il y avait un projet sur l'alouette au scol. On en a vu 2 individus, je crois. Donc, celui-là, il était mis aux accessoires à oublier. Mais par contre, on a fait d'autres choses, justement, et qui sont avérées intéressantes et qui ont permis de lancer cette deuxième mission, donc 23 ans après. Avec le soutien donc de l'IPEV et un énorme, ça il faut le reconnaître, un énorme soutien des Canadiens. La première fois que j'y suis allé, c'était extrêmement roots. Hein, on avait 2 petites tentes et une bâche qui nous servait de cuisine avec mon étudiant à l'époque, Tanguy Dauphren. Rétrospectivement, c'était un petit peu... Je pense que plus personne ne nous laisserait faire ça. Mais voilà, on a survécu et c'était un souvenir... inoubliable. Et donc là, on est dans un camp en dur avec une clôture électrique efficace, des Inuits qui surveillent les ours et les conditions ont changé. Hein, donc ce qu'on a fait ne serait plus possible. Voilà, donc ça, c'est un petit peu au côté recherche. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'y retourner deux fois soit pour aider des collègues, soit pour le plaisir. Mais voilà, donc c'est un jardin secret parce que effectivement, ce n'était pas le cœur de mon travail de recherche, mais c'est quand même une partie qui me tient beaucoup à cœur. «
Merci beaucoup à Jean-Louis Martin pour toutes ces informations. Et puis également, merci à Aude de l'Institut polaire français pour toutes les questions qui ont pu être posées. Alors, nous revoici à Océanopolis. Et cette fois-ci, Lucie, je crois que tu es partie dans le forum. Tu es parmi l'exposition. Lucie, est-ce que tu peux nous présenter le totem de Jean-Louis Martin? Et comme hier, normalement, pour chaque totem, il y a une fiche descriptive. Donc, est-ce que tu peux un peu plus nous présenter l'oie polaire? Oui, tout à fait. Alors, je suis juste devant ce totem sur l'oie des neiges. Et justement, on a une oie des neiges juste à côté qu'on reconnaît bien. Elle est assez similaire à celle qu'on peut trouver par chez nous. À une petite particularité près, on en a vu quelques-unes en images dans le reportage juste avant. Cette oie-là, elle existe sous deux formes, deux phénotypes, on dit. Une version blanche avec juste le bout des ailes noir et une version qu'on appelle bleue. Alors en fait, on en a vu dans les images du reportage, les plumes du corps de cette oie-là sont plutôt gris foncé. Alors aucun lien avec le fait que ce soit un mâle ou une femelle. Ce sont juste deux formes différentes de l'oie, de la même manière que nous, on peut avoir les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Lucie, Jean-Louis Martin a utilisé un mot, l'abrutissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce qu'il définit réellement ce mot? Oui, alors l'abrutissement, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le fait que justement les oies, elles se nourrissent de végétaux et donc elles broutent la surface du sol en Arctique. Alors en pratique, comment est-ce qu'on évalue l'abrutissement par les oies? Alors il faut savoir que l'équipe de Jean-Louis Martin est retournée sur des sites très précisément aux mêmes endroits qui avaient été étudiés il y a une vingtaine d'années. Alors on les voit là sur l'image, ils définissent un carré de sol et dans cette zone ils vont noter et prendre des photos pour avoir très précisément le pourcentage du sol recouvert par chacune des principales espèces de plantes qu'on trouve là-bas. Et donc, en comparant ces données-là avec les données de référence prises il y a une vingtaine d'années, on peut se rendre compte du changement de la végétation à cet endroit-là. Et notamment, Jean-Louis Martin le disait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de mousse très rase et beaucoup moins d'herbacées qui montent un peu plus haut. Oui, donc on comprend bien que l'oie va influencer son milieu, notamment en s'alimentant, elle va influencer la végétation. Lucie, j'ai une autre question. Pourquoi finalement cet abrutissement a des effets délétères sur les autres espèces qui vivent dans le même milieu? Alors effectivement, les oies très nombreuses broutent beaucoup la végétation. Donc ça fait d'une part moins de nourriture pour les autres oiseaux qui se nourrissent des mêmes plantes qu'elles. Et puis surtout, dans ces zones-là, il y a plein de petits oiseaux qu'on appelle des limicoles. Alors ce sont des petits échassiers. Par chez nous, on connaît par exemple la bécasse qui en fait partie. Et ces oiseaux-là, à l'époque où les oies sont présentes, ils installent leur nid. Et ces nids-là, habituellement, ils sont cachés par la végétation un peu haute et donc protégés d'une certaine manière par les prédateurs. Et donc, les oies, en broutant ces végétations, laissent ces nids-là à découvert et donc ils sont bien plus susceptibles d'être trouvés et donc mangés par un prédateur. Justement, pour avoir une idée de cette pression de prédation, l'équipe de Jean-Louis Martin, ils installent des phonies un peu de cette manière-là. On a essayé de reconstituer un mini-sol de l'Arctique avec quelques œufs de caille. Et donc, dans ces zones-là, ils installent ces nids et ils repassent quelques jours plus tard pour voir quels œufs ont effectivement été visités par des prédateurs et lesquels sont restés intacts. D'accord. Eh bien, écoute, Lucie, c'est très intéressant. Moi, vu que tu en parles, je te propose de te poser une question qui a été proposée sur le Facebook. Alors, allons-y. Si les oies n'avaient pas colonisé les terres agricoles, quelle autre espèce aurait été susceptible de le faire à leur place? Alors, je ne saurais pas répondre à la question concernant les autres espèces. On posera la question à Jean-Louis Martin. Par contre, il ne faut pas oublier que si ces oies-là sont venues coloniser les terres agricoles qui étaient en pleine expansion en Amérique, c'est surtout parce qu'à l'origine, l'homme a asséché les tourbières dans lesquelles elles vivaient et détruit leur habitat naturel où elles passaient l'hiver.
Merci beaucoup, Lucie. Les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre vos remarques dans le chat. Lucie, je te propose que on fasse une pause de quelques secondes, le temps de passer au sujet numéro 2. À tout de suite. Alors, nous voici à nouveau en direct dans la salle polaire du pavillon, dans la salle Antarctica du pavillon polaire d'Océanopolis. Lucie, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un autre sujet. Alors, quel scientifique vas-tu me présenter ? Et oui, après l'Arctique, on revient dans l'hémisphère sud, on va aller dans les îles subantarctiques françaises. Ces îles et archipels perdus à la frontière des océans austral et indien, en compagnie d'Éric Arminot du Châtelet. Très bien. On va Alors, commencer... que va nous présenter Éric Arminot? Et bien justement, on va commencer par écouter ce qu'il a à nous raconter sur les amibatèques, ces les organismes amibatèques. Unicellulaires, à la recherche desquels il fouille le sol de Kerguelen. Très bien. Écoutez, on lance le reportage et on se retrouve ensuite dans le forum pour découvrir son totem. A tout de suite. Alors, je travaille sur des micro-organismes, ces micro-organismes qui vivent dans des milieux aquatiques. Alors, milieux aquatiques assez variés, milieux aquatiques marins, mais milieux aquatiques également continentaux. Alors, ce sont des, quand je dis micro-organismes, ce sont des cellules uniques, des cellules qui possèdent une coquille qui va leur permettre de résister dans l'environnement et également de se préserver. Alors, pour donner quand même quelques noms, en milieu marin, mes micro-organismes favoris, ce sont les foraminifères, et en milieu continentaux, ce sont les amibes à teck. Donc là, leur nom est peut-être plus explicite. Une amibe, c'est une cellule à teck, elle possède donc une coquille. Et l'une et l'autre ont été considérées comme des cousines pendant pas mal d'années, et maintenant que l'on s'intéresse un petit peu à de la génétique, eh bien on les différencie un petit peu plus. Est-ce que ce sont des animaux d'ailleurs ? Oui, alors ce sont des animaux, mais qui sont un petit peu ambigus pour certains, qui peuvent posséder un certain nombre de caractéristiques. Alors je pense aux foraminifères par exemple, qui peuvent posséder des endosymbiotes photosynthétique. Donc on est à cheval entre le monde animal et le monde végétal. Moi j'aurais tendance à dire, oui, on peut les considérer comme des animaux, mais avec des caractéristiques du fait qu'ils soient unicellulaires complètement différentes du terme animal quand on pense à un oiseau, quand on pense à un mammifère marin. Là c'est juste une cellule, donc c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai tendance à les mettre un petit peu à part, ni l'un ni l'autre. D'accord. Et qu'est-ce que c'est l'endosymbiote photosynthétique ? Voilà des gros mots. Alors, dans notre cellule, on va trouver un certain nombre d'organites. Donc, on va trouver par exemple le noyau qui possède le patrimoine génétique. Mais on va trouver également un certain nombre d'autres structures à l'intérieur de la cellule, tout ce qui va permettre finalement à l'organisme de vivre. Vivre, s'alimenter, se reproduire, etc., etc. Et parmi les fonctions fondamentales, il faut se nourrir. Et il peut y avoir une incorporation justement d'organites autres, donc une structure qui sera capable de transformer, d'utiliser la lumière pour fabriquer
de la matière organique qui sera utilisée par la cellule pour pouvoir grandir et donc se développer. Le principe de la photosynthèse qu'on rencontre chez les plantes vertes. Exactement. C'est exactement ce principe tout simple. Donc, le monde animal, normalement, n'est pas capable de photosynthèse. Le monde végétal est capable de photosynthèse. Et chez les protistes, eh bien, on peut avoir un mélange des deux avec donc des caractéristiques autotrophes et des caractéristiques hétérotrophes, pour réutiliser d'autres termes un peu plus compliqués. Votre projet de recherche, il porte sur les amibathèques et les foraminifères. Vous avez parlé des milieux aquatiques continentaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces milieux aquatiques continentaux ? Alors, ces milieux aquatiques continentaux, si je pars du milieu marin, je vais remonter pas à pas vers vers l'intérieur des terres, et bien tout simplement, dans un premier temps, je vais rencontrer des estuaires. Puis, j'aurai des rivières. Donc, voilà, c'est une zone aquatique classique. Après, je vais pouvoir trouver également ces amibathèques en milieu continentaux, dans les lacs, également dans les tourbières, qui sont des zones humides, et d'autres milieux humides, donc que j'appelle aquatiques continentaux, ce sont également tout simplement des mousses. Voilà, il suffit juste d'aller dans un sous-bois, chez nous, et observer un petit peu ces sous-bois qui sont toujours humides, avec des mousses, et ces milieux, même très légèrement humides, permettent d'offrir un habitat pour les amibathèques. Quel est l'objectif de l'étude des amibathèques ? Alors, les amibathèques, ce sont des organismes avec une seule cellule. Ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils ont un cycle de vie relativement court. Ils vivent de quelques mois à, on va dire, quelques années, 2-3 ans peut-être pour les plus âgés. Donc, des organismes qui se reproduisent rapidement et changent rapidement. Or, on sait que ces amibathèques sont complètement contrôlés par leur environnement. C'est-à-dire, par exemple, que si j'ai un changement de précipitation, au cours de 2, 3, 4, 5 années, la pluie diminue, eh bien, je n'aurai plus les mêmes espèces qui vont pouvoir se développer et se reproduire. Et donc, l'idée, le fond du projet, c'est justement de regarder dans le temps comment ces amibes évoluent. Est-ce que je trouve toujours les mêmes espèces ? Auquel cas, je vais pouvoir poser l'hypothèse qu'il n'y a pas de changements environnementaux. Ou alors, si justement j'ai un changement d'espèce au cours du temps, ça veut dire justement qu'il y a des changements environnementaux. Or, aujourd'hui, eh bien, il suffit d'écouter un petit peu autour de nous. On sait que ces changements environnementaux existent. Donc, notre activité est de paramétrer, de définir notre outil amibathèque pour suivre finement tous ces changements environnementaux. Donc, il y a un vrai lien entre votre recherche et l'étude sur le changement climatique. Oui, c'est un lien très très fort. Alors, bien évidemment, il y a toute une étape de calibration avant, hein, c'est le gros de notre étude, et une fois qu'on aura calibré finement notre outil, donc nous aurons un outil pour suivre justement le changement climatique et tous ces aléas à travers le monde. À partir de quelle date vous allez pouvoir avoir un état de l'art, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire un point zéro à un moment donné de l'environnement dans lequel vivent ces protistes ? Alors, l'idée, c'est d'observer un maximum d'échantillons avec un maximum de protistes aujourd'hui dans des conditions que l'on va pouvoir mesurer. Donc, par exemple, je vais les mesurer aujourd'hui, je sais quelles précipitations il y a eu dans les semaines, mois précédents. Et donc, je vais pouvoir observer mes échantillons. Une fois que j'ai établi cette banque de données, cette base d'informations, eh bien, on va pouvoir observer nos amibathèques dans des enregistrements anciens, donc plus profond dans le sol. Plus je vais aller profondément, plus je vais remonter dans le temps. Et en remontant dans le temps, eh bien, là, je dirais que je n'ai pas beaucoup de limites pour pouvoir reconstituer les variations passées. La seule limite, bien évidemment, c'est la préservation de ces amibathèques.
Donc on peut remonter sur des changements récents, on va dire quelques années, quelques dizaines d'années, ou un petit peu plus ancien, quelques centaines d'années, à milliers d'années, on va dire sans aucun problème. Mais alors, si vous remontez, si je comprends bien, plus on descend profondément, plus les amibathèques sont vieilles. Mais comment vous savez l'environnement dans lequel elles vivaient, ces vieilles amibathèques, si je peux me permettre ? Alors, justement, c'est tout notre travail actuel, c'est d'échantillonner dans des environnements les plus variables possibles. On va observer nos amibathèques dans un endroit très humide et froid, riche en ressources nutritives, ou alors on va observer des amibathèques dans un environnement un peu plus chaud, avec un peu moins d'humidité, etc. Donc, se construire finalement un panel d'environnements possibles, et en observant nos vieilles amibathèques, eh bien, on va voir quelles sont, en observant nos espèces, voir à quel type d'environnement cela pouvait correspondre. Donc, il y a tout un travail de reconstitution en fonction de notre base de données actuelle. Le grand terme qui est utilisé ici, c'est le principe de l'actualisme. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos connaissances sur les amibathèques actuelles et les transposer aux environnements passés. Est-ce que vous avez déjà des courbes ou des résultats qui vous montrent un changement environnemental précis, à des endroits précis ? Alors, moi, non, dans le subantarctique. En revanche, ça, c'est quelque chose. L'utilisation des amibathèques pour les reconstitutions paléo-environnementales, ce sont des choses qui existent à travers le monde. On a un certain nombre de collègues en Europe qui travaillent, par exemple, dans des tourbières et sont capables de reconstituer les variations des nappes d'eau dans les tourbières. Bien évidemment, ce sont des travaux pionniers qui nécessitent une calibration beaucoup plus fine. Et dès le moment où on discute de l'hémisphère sud, là, on a beaucoup moins de connaissances, et d'où l'objet de notre travail à Kerguelen. Est-ce que vous pouvez justement, parce que vous nous parlez des îles subantarctiques, nous décrire l'environnement dans lequel vous travaillez ? Parce que Kerguelen, ça a l'air un peu particulier, assez isolé. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas étudié depuis si longtemps que ça les amibathèques ou les protistes là-bas ? Oui, alors je dirais que les protistes, d'une manière générale, toutes les études pionnières et historiques, c'est sur le vieux continent. Ce sont les Européens qui ont mené ça. Et plus il faut aller loin de chez soi, plus les études sont compliquées. Et Kerguelen n'est pas si facile d'accès. Alors, il y a des collègues qui travaillent en Amérique du Sud, en Patagonie, des collègues qui travaillent en Nouvelle-Zélande, mais l'accès aux îles subantarctiques n'est pas si facile que ça. Alors, Kerguelen a un autre avantage, on pourra en reparler peut-être après, c'est que Kerguelen se situe sur une zone clé des courants marins de l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, parce qu'il existe une zone frontale, une limite entre les zones océaniques polaires, les courants polaires, et les courants subtropicaux. Donc cette zone frontale migre au cours du temps. Et justement, Kerguelen se situe au droit de cette zone de migration. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est que comme on est en train de mettre en place un outil de suivi des changements environnementaux, eh bien, on sait qu'à Kerguelen, il y a justement une grande variabilité de précipitations, il y a des changements qui sont extrêmement marqués, grâce justement à cette position très particulière. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire le déploiement d'une expérience sur le terrain à Kerguelen ? Alors, une fois qu'on arrive à Kerguelen, eh bien, je dirais qu'on a un peu l'embarras du choix des environnements pour prélever nos amibathèques. Les amibathèques ont besoin d'environnements aquatiques, on a dit, donc depuis des rivières jusqu'à des zones humides, des zones de mousse. Or, à Kerguelen, eh bien justement, ce sont des environnements que l'on trouve, on va dire, quasiment partout. Même dans des zones rocailleuses, il y a toujours un petit peu de mousse cachée sous un rocher, donc là, c'est absolument parfait.
Alors, après, l'idée, c'est de travailler à trouver un maximum d'environnements différents, justement, pour calibrer notre outil. Or, sur l'archipel de Kerguelen, même si donc c'est pas immense, si je le compare à d'autres territoires de notre globe, hein, sur les 140 km d'est en ouest, eh bien, on sait qu'il y a de très forts gradients de précipitation. Sur la côte ouest, on peut avoir, on va dire, à peu près 3000 mm d'eau par an, alors que sur la côte est, à proximité de la base scientifique de Port-aux-Français, on va avoir environ 700-800 mm d'eau par an. Donc, des gradients très, très forts. Donc, nous, on axe notre stratégie d'échantillonnage, donc la façon dont on va échantillonner, où nous allons échantillonner, justement, en allant dans des zones et sous beaucoup de précipitations et des zones avec moins de précipitations, justement, pour voir, pour chercher des différences dans nos amibes. Et donc, ensuite, vous installez un camp de prélèvement. Comment vous faites vos prélèvements? Vous avez des technologies particulières? Non, alors c'est justement le côté très intéressant de ce genre d'études, c'est qu'il n'y a pas besoin de technologies lourdes, en tout cas pour la calibration de l'outil. Des prélèvements très simples, je dirais à la main, prenant quelques conditions pour faire un prélèvement propre quand même. On va prélever du sol, on va prélever des mousses, et ensuite le tout est fixé, rapporté au laboratoire. On va concentrer les amibes et les observer sous le microscope. Donc ça, c'est la partie très simple. Le plus compliqué, c'est d'aller sur le terrain. Une fois qu'on a les bons sites, il suffit juste d'échantillonner, il suffit juste d'observer. J'allais dire simple, mais extrêmement chronophage, puisque les observations sur le microscope sont extrêmement longues. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez voir à œil nu des protistes dans vos carottes quand vous les prélevez? Non, malheureusement, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Donc, il y a ce côté inconnu, ce côté un petit peu... on prélève un échantillon, on ne sait pas du tout si vraiment on a le plus bel échantillon qui existe. Donc, des protistes, grosso modo, vont avoir une taille comprise entre 20 micromètres et 300 micromètres. Donc, en gros, les plus grosses, c'est moins d'un tiers de millimètre. Pour les plus grosses, moins d'un tiers de millimètre. Donc, vous revenez au laboratoire, vous étudiez vos amibes, et le résultat de votre étude, ça va être des schémas temporels, c'est ça ? Qui vont être utilisés dans les modèles climatiques ou pas? Oui, alors on va produire deux schémas. On va produire un premier schéma, une première cartographie spatiale. Donc, en gros, on va prendre la carte de l'archipel de Kerguelen et à l'endroit, sur chacun des points où nous avons prélevé, nous allons indiquer quelles sont les amibes que l'on va trouver, en quelle quantité, en quelle densité, quelle taille, etc. À côté de ça, on va ajouter tous les autres paramètres que l'on aura pu observer, donc la quantité de matière organique, de nourriture par exemple, des informations sur les minéraux, toutes les informations que l'on va pouvoir posséder. Donc ça, c'est cette cartographie, ce premier schéma, on va dire, horizontal, aujourd'hui, donc un état des lieux. Et ensuite, on va proposer un deuxième schéma. Donc, ce deuxième schéma, il faudra le faire, on pourra compléter ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pour l'instant, nous n'avons parlé que de l'échantillonnage de surface pour cet état des lieux, pour cette calibration de notre outil. Après, il y a une deuxième façon de procéder sur le terrain, c'est du carottage. Donc, pour cette fois-ci, avoir des séquences verticales pour pouvoir reconstituer les environnements passés. Donc finalement, on va fabriquer deux schémas, un schéma horizontal, un schéma vertical, à partir de prélèvements aujourd'hui pour le schéma horizontal et de prélèvements de carottes pour le schéma vertical, et donc reconstituer les environnements passés. Donc finalement, il y a deux phases dans cette étude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'une carotte? Parce que ça peut être ambigu comme terme.
Oui, donc rien à voir avec les végétaux, quoique. Donc l'idée, c'est un prélèvement vertical. Grosso modo, on va enfoncer un tube dans le sol qui va permettre donc de prélever un petit peu. Imaginez des couches de poussière dans une maison dans laquelle on ne doit pas faire de ménage. Donc la poussière va s'accumuler, former des strates. Plus ces strates sont hautes dans ma colonne de poussière, plus elles sont récentes. Plus ces strates sont profondes, proches du plancher, plus elles sont anciennes. Et donc là, l'idée, c'est de regarder ces strates les unes après les autres en remontant dans le temps. Et donc nos carottes, ces prélèvements verticaux, permettent de recouper ces couches les unes après les autres et donc de remonter dans le temps. Donc voilà, une carotte, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un tube qu'on enfonce dans le sol pour effectuer ces prélèvements. Kerguelen est une terre absolument fabuleuse, dans le sens où des tourbières, il y en a partout sur l'Hexagone. Des environnements aquatiques, c'est extrêmement facile à trouver. Des amibathèques, je dirais qu'il suffit juste d'aller dans n'importe quel jardin de métropole pour pouvoir en trouver facilement. Mais aller les chercher à Kerguelen, c'est quelque chose de supplémentaire, parce qu'il y a ce voyage en bateau qui est plutôt long. Il y a ces conditions, on va dire, environnementales, ces conditions de vie sur le terrain avec du vent, de la pluie, de la neige en été, qui rajoutent une dimension, on va dire, qui est extrêmement intéressante pour faire vivre un petit peu plus cette recherche et lui donner une teinte supplémentaire. C'est pas, voilà, la recherche que je vais faire à la porte de mon laboratoire. C'est une recherche du bout du monde. Armino Duchâtelet, pour toutes ces explications, et à Aude également pour avoir posé toutes ces questions. Nous voici en direct d'Océanopolis dans le forum et je suis connectée avec Lucie. Lucie, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien, Lionel. Alors Lucie, je crois que nous ne sommes pas seuls cet après-midi. Effectivement, on a la chance d'avoir avec nous Éric Armino Duchâtelet. Bonjour Éric. Bonjour. Alors avant de vous poser les questions que les internautes auraient posées dans le chat de Facebook, on a quelques questions nous à vous poser. Et la première est la suivante. Est-ce qu'il est possible de trouver des amibathèques chez nous ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour les observer ? Alors, effectivement, là, c'est toujours la question. On part très, très loin jusque sur l'archipel de Kerguelen pour aller les chercher. Mais il n'est pas nécessaire de partir aussi loin. On peut en trouver très simplement dès qu'on va regarder un petit peu de mousse dans un jardin, dans un coin de mur, etc. Donc, comment les observer ? C'est relativement facile. On va prélever un petit peu de cette mousse, de ce sol, le laver, je dirais avec une essoreuse à salade, et on va récupérer, alors non pas la salade, la mousse, mais on va récupérer l'eau de rinçage. Et si on possède par exemple un petit microscope, des choses qu'on a, alors pas chez tout le monde, mais un microscope avec un grossissement 40 par exemple, ou bien déjà on va pouvoir dans cette eau de rinçage observer les amibes les plus grosses. Donc c'est assez facile, il suffit d'aller dans le jardin. D'accord, on ne manquera pas d'essayer alors. Éric, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Une deuxième question, Éric, quel est le régime alimentaire que mangent ces amibathèques, pardon ? Alors ça c'est une question dont la réponse est absolument fabuleuse. La réponse est tout, en fait. D'accord. Donc ça dépend des espèces. Certaines vont manger quelques bactéries, quelques résidus organiques. D'autres vont aller manger leurs congénères, du cannibalisme finalement, ni plus ni moins. D'autres vont même pouvoir s'attaquer à des organismes du sol beaucoup plus gros qu'eux. Donc voilà, régime alimentaire absolument extrêmement large, on mange tout. D'accord. Alors Éric, on le disait tout à l'heure, l'archipel des Kerguelen, c'est un endroit quand même particulièrement isolé. Finalement, ces amibes, comment est-ce qu'elles se déplacent et comment est-ce qu'elles parviennent à coloniser ces territoires si lointains ? Alors ça, c'est une très très bonne question que les scientifiques se posent régulièrement.
Alors non seulement pour coloniser l'archipel de Kerguelen, mais finalement pour coloniser n'importe quelle terre isolée de notre globe. Alors si je prends juste à l'échelle de l'amibe, voilà, donc elles sont... Donc c'est une cellule, on l'a dit, là, qui est protégée par une coquille. Par le... Et donc finalement, elle, pour se déplacer, c'est cette cellule qui va sortir légèrement de cette coquille pour fabriquer ce que l'on appelle des pseudopodes, donc une sorte de pied, une excroissance de la cellule, et se déplacer comme ça. Donc là, on imagine tout de suite que pour se déplacer à son échelle, c'est quelque chose d'excessivement lent, et il n'y a pas de risque pour l'amibatèque qui ne fera aucun excès de vitesse. Donc, il faut trouver un autre moyen pour les déplacer. Alors, pour cela, eh bien, on va pouvoir utiliser d'autres vecteurs qui sont, par exemple, les oiseaux. On a pu observer des amibes blotties dans le plumage d'oiseaux, et donc, via ce transport impromptu et parcourir des distances très importantes. Et autre vecteur possible, comme ces amibatèques sont de petite taille, eh bien, tout simplement le vent. Et par analogie, par exemple, on a vu il y a quelques semaines à peine, des grands vents sahariens projeter des grandes quantités de sable sur les reliefs de métropoles, dont les Alpes, par exemple. Eh bien, il y a des grains de sable dans ces poussières sahariennes, mais il y a également tout ce qui aura pu être arraché d'origine. Et donc, via ce vent, on peut imaginer que un jour ou l'autre, avec un peu de chance, une amibe puisse être arrachée à une terre d'origine. Pour l'hémisphère sud, par exemple, la Patagonie, l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud, et ensuite traverser tout l'Atlantique, une partie de l'océan Indien, pour ensemencer, plus ni moins, l'archipel de Kerguelen. Donc des processus très longs et très complexes, et encore en partie des grands sujets de recherche. Éric, nous avons de la chance puisque les internautes réagissent. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'elles puissent être relayées en direct. Profitons-en, Éric est avec nous. Alors Éric, j'ai une question de Nadia Dulude, je la pose. Sachant que la majorité des espèces marines n'a pas encore été découverte, comment ne pas imaginer qu'il existe bien d'autres protistes qui viendraient contredire des recherches actuellement menées, peut-être du fait de leur constitution cellulaire différente, de leur survie différente, d'une photosynthèse non avérée, par exemple, ou voilà, etc. Alors, chez les amibatèques, il y a bien une certitude là-dedans, c'est qu'effectivement, on ne connaît pas toutes les espèces. Et aujourd'hui, je vais presque dire, à chaque nouvelle terre explorée par un spécialiste des amibatèques, on va en découvrir une nouvelle. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, chez ces protistes-là, si je ne parle que des amibatèques, on en connaît à peu près 2000 sur le globe, dont seulement, on va dire, alors, si je prends des chiffres, il y a une dizaine d'années, c'était à peu près simplement 50 espèces différentes pour tout l'hémisphère sud. Donc, si je compte pour les 2000, ça serait pour l'hémisphère nord. Et les derniers travaux ont montré qu'on a déjà doublé ce nombre d'observations, le nombre d'espèces et de sous-espèces pour l'hémisphère sud. Les travaux actuels, finalement, ne vont faire que conduire à en trouver de nouvelles. Donc ça peut demander un. Et parmi les outils, justement, pour trouver de nouvelles espèces, pour mettre en évidence, c'est que nos outils classiques qui sont utilisés, j'y dirais, depuis un siècle, c'est le microscope. Après, il y a l'ADN qui maintenant nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la différenciation et l'observation des espèces. Donc il y a plein de choses qui apparaissent, justement, c'est ces amibes, et que l'on ne connaît pas encore. Éric, une question pour compléter. Dans un contexte de réchauffement climatique, est-ce que les connaissances actuelles ne pourraient-elles pas évoluer, justement, à la faveur de ce changement climatique, pardon? Donc les connaissances, oui, alors je dirais qu'on peut aller dans les deux sens, puisque certes, quand on parle de l'Europe, il y a ce côté réchauffement
climatique, mais après, on sait pertinemment qu'il y a des modèles qui vont pouvoir montrer, dans certains territoires, qui sont un réchauffement, d'autres un refroidissement, des changements, en tout cas environnementaux, ça c'est clair, et des changements environnementaux de plus en plus violents. Et c'est ce que l'on cherche à voir avec ces amibatex, c'est certes réchauffement, mais moi je dirais plutôt changement, changement dans tous les sens. Alors, une autre question, Eric, une question de Fred. Donc, ces carottes permettent l'étude dans le temps de l'évolution de l'espèce, point d'interrogation ? Alors, donc ça peut être, si on a une échelle de temps relativement courte, une évolution d'espèce, mais nous, ce que l'on va plutôt chercher, c'est un changement, c'est-à-dire qu'on va avoir des espèces qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Alors, plutôt même, on va plutôt parler de changement de proportion. Certaines seront dominantes avec certaines caractéristiques de l'environnement. Admettons qu'on ait un changement environnemental plus sec, plus chaud, et bien dans ces cas-là, ce sont d'autres espèces qui vont se mettre à dominer l'environnement. Et nous, finalement, c'est justement ce genre de choses, ce sont ces variations ténues d'évolution, proportion des espèces de nos carottes que l'on cherche pour nous permettre de tracer ces subtils changements environnementaux, conséquences du changement climatique. Alors, Eric, encore une question. On entend là le mot amibe à tech, donc ça suppose qu'il y a des amibes sans tech, parce que oui. Quelle est cette diversité autour des amibes ? Alors, les amibes, au sens large, c'est un monde extrêmement vaste. Alors, moi, je m'intéresse aux amibes au sens large, mais plutôt aux amibes à tech, justement parce que le fait de posséder une tech, une coquille, c'est ce qui va leur permettre de se préserver dans le sol, même après la mort de l'organisme, lorsque la cellule va se dégrader, la coquille, la tech, elle, va se préserver. Et donc, on peut la retrouver comme ça dans des environnements anciens. Alors, quelques années, quelques dizaines d'années, centaines. Et pour ce qui concerne les plus vieilles amibatèques, eh bien, on va pouvoir remonter de 500 millions d'années. D'accord. Eric, une question, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure avec le déplacement. Est-ce que la notion d'endémisme s'applique sur les amibes ? Oui, ça s'applique effectivement tout à fait. Alors justement, ça c'est quelque chose que l'on pourra chercher sur l'archipel de Kerguelen. Là, par exemple, des études qui sont un tout petit peu plus anciennes ont montré sur la Nouvelle-Zélande qu'il y a des espèces parfaitement endémiques à la Nouvelle-Zélande. Donc il serait absolument presque étonnant que l'on ne trouve pas d'espèces endémiques sur l'archipel de Kerguelen. Merci. Alors j'ai encore une petite question à vous poser. En fait, il y a plein de questions. Quel est le rôle des amibes dans leur écosystème ? Alors, donc ce sont de petits organismes et qui vont avoir un rôle on parle souvent du cycle du carbone ou du cycle de la silice, qui sont des éléments majeurs qui sont un maillon qui passe par le monde du vivant. Et justement, les amibes jouent un rôle à cet endroit-là pour pouvoir justement prendre ces espèces, alors je pense à la silice par exemple, prendre la silice dissoute dans les eaux interstitielles des sols pour pouvoir fabriquer des minéraux avec, et ces minéraux ensuite peuvent être réutilisés par d'autres organismes. Pareil pour le carbone, ils ont un rôle de fixation du carbone, comme beaucoup d'autres cellules, et donc rentrent dans ce cycle-là. Donc du point de vue géochimique, si on veut employer des gros mots, ces micro-organismes ont un rôle très, très important pour la compréhension du système global et tous ces éléments dans le système Terre. Après, du point de vue écosystème, d'une manière très concrète, eh bien, les amibatèques rentrent dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que là, on en a parlé lors des questions précédentes, ils consomment un certain nombre de choses, mais également, eux, sont consommés par d'autres organismes. Encore quelques questions, mais ça va bientôt se terminer. Est-ce qu'il y a des compétitions entre les espèces, entre les amibes, par exemple ? Est-ce qu'il y a des amibes qui peuvent être dominantes et d'autres dominées ? Alors, ça, c'est un point,
j'avoue, là, on arrive à la limite de ma connaissance. Je ne crois pas avoir croisé de travaux de collègues qui travaillent sur ce sujet, mais c'est quelque chose que l'on peut tout à fait imaginer. Par exemple, on sait qu'il y a certaines espèces qui vont être des prédateurs d'autres espèces, pouvoir les réutiliser pour fabriquer leur squelette. Donc voilà, les prédateurs sont bien des espèces dominantes. D'accord. Alors, j'ai une question sur Internet. Alors, je la livre telle qu'elle. Si la coquille se préserve, y a-t-il possibilité, entre guillemets, de réactivation de l'amibe des siècles après, voire des millénaires? Si oui, en avez-vous trouvé? Alors, des siècles et des millénaires, là, je pense qu'il y a des travaux à imaginer. En revanche, quelque chose que l'on sait bien, c'est que les amibathèques, lorsqu'elles sont dans des conditions adverses, je pense par exemple à des amibes, des travaux qui ont été menés dans le désert d'Atacama, donc désert particulièrement aride, donc des conditions absolument pas propices au développement des amibathèques. Donc pendant les périodes de sécheresse, elles s'enferment, ces amibes, dans un kyste de résistance, en gros une super protection, et elles vont attendre comme ça même plusieurs années, le temps que une rare pluie puisse intervenir, et à ce moment-là, elles se mettent à se reproduire et de nouveau vont se réenquister en attendant une période plus favorable. Donc, la fabrication de ce kyste leur permet de survivre comme ça très longtemps, par rapport à la question, donc là, je vais rester juste à l'échelle d'années, et non dizaines d'années ni siècles, et peuvent donc revivre, entre guillemets, un petit peu plus tard. En ce qui pourrait les imaginer revivre plusieurs centaines d'années, là je pense que c'est un petit peu trop long pour réactiver les fonctions cellulaires d'une cellule toute simple. Eric, quelle est leur valence? Est-ce qu'elles ont des maximums, des tolérances thermiques maximales, minimales, qui permettent une distribution large au niveau des écosystèmes? Est-ce qu'au contraire, il y a des espèces qui sont, on pourrait dire, sténotermes? Est-ce qu'il y a des différences entre les espèces? Alors, globalement, ce que l'on connaît à la surface du globe, l'immense majorité des espèces est ubiquiste, c'est-à-dire qu'on les trouve un petit peu partout, que ce soit des environnements plutôt chauds, que ce soit des environnements plutôt froids. On les connaît dans les déserts, on les connaît en Antarctique. Voilà, et des espèces similaires dans un cas comme dans l'autre. Donc, il n'y a pas de contrainte de ce sujet-là. Néanmoins, quelque chose que l'on connaît, c'est qu'un certain nombre de ces espèces sont soumises à un certain nombre de contraintes de l'environnement et, en fonction des espèces, ne vont pas se développer dans les mêmes conditions. Certaines vont plutôt préférer certaines caractéristiques de pH, donc en fonction de l'acidité du milieu. D'autres vont préférer peut-être une humidité un peu particulière, d'autres vont se développer uniquement sur certains substrats. Eric, on le voit avec le réchauffement climatique, en tout cas on l'a entendu hier, ce réchauffement climatique perturbe certaines espèces. Est-ce que par exemple sur les amibes, on peut avoir une diminution de la diversité des amibathèques, par exemple? Alors, c'est pas impossible, néanmoins, contrairement, on va dire, à la macrofaune, qu'il est assez facile d'observer, qu'il est assez facile de comptabiliser, etc. Pour les amibathèques, vu le travail nécessaire pour l'échantillonnage, pour le traitement, la fixation et l'observation, pour l'instant, on ne peut pas avoir une vue suffisamment claire pour imaginer ce genre de conséquences. Merci beaucoup, Eric, pour avoir accepté de répondre en direct à nos questions, en direct d'Océanopolis. On est très, très heureux d'avoir pu partager cet instant avec vous. On vous souhaite un très bon week-end de Pâques et encore merci pour avoir joué le jeu. Merci. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Océanopolis mobilisée pendant ces deux jours et merci beaucoup donc pour cette belle manifestation. Merci, Eric. À très bientôt. À très bientôt. Alors Lucie, je te propose de me rejoindre pour lancer le troisième reportage. Un petit générique de quelques secondes et on se retrouve tout de suite.
Lucie, nous voici à nouveau en direct. Alors, on vient d'écouter Éric Arminot du Châtelet nous parler des amis Batek, c'était passionnant. Alors, dernier reportage de l'après-midi, de quoi parlons-nous ? Alors, on va changer de région puisqu'on retourne en Arctique. Très et bien. On va changer d'échelle aussi parce qu'on va parler des pinnipèdes. Les pinnipèdes, effectivement, on connaît bien Océanopolis. Oui, tout à fait. Et on parle des pinnipèdes avec Isabelle Charrier, qui s'intéresse à leur acoustique, c'est-à-dire à la manière dont ils utilisent des vocalisations dans leur communication entre eux. Tu veux pas chanter un peu, là ? Non, pas alors, aujourd'hui. Très bien. Allez, on lance le reportage et on se retrouve dans le forum. Voilà, donc je suis Isabelle Charrier, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis dans l'équipe communication acoustique à Neuropsy, donc qui est le centre des neurosciences Paris-Saclay. Isabelle, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre métier d'abord et votre parcours en fait pour arriver à ce métier-là ? Donc moi je suis bioacousticienne, donc je suis biologiste avant tout, donc j'ai fait des études classiques de biologie, physiologie, et c'est lors de mon master où j'ai étudié les communications acoustiques chez des oiseaux marins, la moitrieuse, et donc j'en suis venue justement à étudier ces communications acoustiques. Par la suite, je me suis intéressée aux mammifères marins et notamment aux otaries subantarctiques sur lesquelles j'ai fait ma thèse. Et donc, je suis partie 9 mois sur le terrain sur l'île d'Amsterdam, donc une île subantarctique, pour étudier les communications et les reconnaissances mer-jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la communication acoustique chez les animaux ? Oui. Alors la communication acoustique, c'est donc toutes les productions vocales qui sont produites par les animaux, qui leur permet de communiquer entre eux. Donc ça va intervenir dans différentes fonctions biologiques vitales, comme la reproduction, la recherche du partenaire sexuel, les soins aux jeunes, mais aussi la défense du territoire, la recherche de nourriture. Donc en fait, les signaux acoustiques vont être produits dans des interactions sociales très différentes, que ce soit plus affiliatif que plus agressif, antagoniste, mais aussi pour organiser des activités, notamment pour les espèces qui vivent en groupe. Donc on a une multitude de signaux qui peuvent être produits, et ça varie bien sûr en fonction des espèces. On a des espèces qui ont développé des communications acoustiques vraiment très complexes, comme par exemple les oiseaux chanteurs. Et donc nous, au sein de l'équipe, on cherche justement à comprendre les informations qui sont échangées entre les individus via leurs signaux acoustiques. Et on cherche surtout à décrypter vraiment le code de ces informations, c'est-à-dire dans un signal, dans un cri, on a plusieurs informations qui peuvent être encodées. Et donc nous, on cherche à connaître justement quelles sont toutes les informations dans ces signaux et comment les animaux utilisent ces informations pour interagir entre eux. C'est une forme de langage, en fait, la communication acoustique. Oui, tout à fait. On compare souvent au langage humain, qui est quand même beaucoup plus complexe, effectivement. On a une syntaxe. Ici, on a des cris qui sont plus, qui répondent à une fonction bien particulière. Par exemple, les cris de contact entre mère et jeune. On a un cri qui va permettre à la mère et à son jeune de se reconnaître. Et donc, voilà, c'est des choses un petit peu plus simples, mais on peut effectivement, c'est un langage simplifié. Et alors, le projet de recherche, quel est votre projet de recherche autour de cette communication acoustique ?
Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement aux pinnipèdes, donc qui regroupent donc les phoques, les otaries, les lions de mer et les morses. Et donc je cherche à comprendre comment leur communication acoustique et notamment leur système de reconnaissance individuelle évolue en fonction de la structure sociale, puisque chez les pinnipèdes, on a des structures sociales très différentes, par exemple d'espèces plutôt solitaires à des espèces ultra-coloniales. Et donc, je regarde comment ces communications varient en fonction de cette structure sociale, à la fois au niveau des signaux qui sont produits et aussi au niveau de la complexité, finalement, de leur signature vocale individuelle, puisque les besoins de se reconnaître vont être très différents entre les espèces très coloniales et les espèces plutôt solitaires où les risques de confusion sont très, très peu présents. Donc, on regarde justement comment le code et les signatures acoustiques évoluent en fonction des contraintes sociales et environnementales. La signature acoustique, la signature vocale individuelle, est-ce que c'est le ton de la voix? Est-ce que c'est la tonalité? Qu'est-ce que c'est que la signature vocale? Alors, la signature vocale, c'est ce qui permet de se reconnaître. Nous, voilà, si vous m'appelez demain, bah, je vais reconnaître votre voix parce que, justement, vous avez certaines caractéristiques fréquentielles, mais aussi dans l'intonation, dans le phrasé. Donc, chez les animaux, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les paramètres acoustiques, donc qui peuvent être la fréquence, le timbre, mais aussi la modulation de fréquence, puisqu'on n'a pas des signaux plats, hein, c'est des signaux qui varient, la fréquence varie dans le temps. Et donc, on va regarder quels sont, on va analyser tous ces paramètres et on va regarder ceux qui sont vraiment spécifiques à un individu et qui vont permettre justement cette identification vocale. Donc, en fait, souvent, une signature, c'est pas juste un paramètre acoustique, c'est une multitude de paramètres qui vont être utilisés pour cette identification vocale. Et donc, en fonction des espèces, on a des signatures, on va dire, plutôt simples, où justement, par exemple, les animaux vont faire une analyse de la fréquence du cri, et d'autres vont avoir des systèmes un peu plus complexes, où il y aura plusieurs paramètres qui vont permettre justement cette redondance de l'information et de sécuriser l'identité individuelle. Et on a pu voir, par exemple, que les espèces très coloniales, leur signature vocale repose sur plusieurs paramètres qui sont en plus, qui ont des caractéristiques physiques adaptées, par exemple, à la propagation dans le milieu, c'est-à-dire qu'ils vont résister à cette propagation dans le milieu de façon à pouvoir sécuriser cette reconnaissance. Vous pouvez nous donner un exemple de cette propagation dans le milieu, par exemple avec les morses sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé? Oui, alors par exemple chez les morses, on a effectivement fait des tests de propagation, par exemple sur les cris de contact entre la mère et son petit, et on a pu voir que, par exemple, le spectre fréquentiel, donc qui permet un peu le timbre de la voix, se propage très bien, par exemple au-dessus de l'eau, donc toujours en milieu aérien. Mais on peut voir, c'est un paramètre qui est très fiable même à plus de 100 mètres. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir à quelle distance une mère et un jeune peuvent s'identifier lorsqu'ils sont séparés, par exemple. Mais est-ce que les petits ou les adultes ont des organes particuliers au niveau de la gorge, comme nous on a le larynx, qui vont être utilisés pour cette communication acoustique? Alors bon, chez les mammifères, hein, l'organe qui produit les sons, c'est comme nous humains, donc on a au niveau du larynx, il y a des cordes vocales. Et après, on peut avoir des organes un peu spécifiques qui peuvent, par exemple, permettre d'augmenter la résonance. Par exemple, chez les éléphants de mer, on a ces gros troncs, ces proboscis qui peuvent agir comme des résonateurs du son, donc éventuellement amplifier le son ou certaines fréquences. Mais on va dire que la plupart des mammifères utilisent leur larynx pour produire des sons. Après, on a des sons, ce qu'on appelle les vocalisations, mais on a aussi des sons non vocaux qui peuvent être produits, c'est-à-dire par exemple des claquements de dents, des claquements de certaines parties du corps, soit sur le substrat, soit sur l'eau, qui vont aussi produire des sons.
alors qui sont effectivement pas des vocalisations, mais qui sont des sons qui peuvent aussi servir à communiquer avec des congénères ou des individus d'une autre espèce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on différencie, nous, des vocalisations, donc des sons vocaux, des sons non vocaux. Quand vous parlez d'autres espèces, ça veut dire qu'il y a des possibilités de communication acoustique inter-espèces ? Oui, tout à fait. On sait que, par exemple, les cris d'alarme, qui peuvent être produits soit par des oiseaux ou des mammifères, ces cris d'alarme vont être aussi détectés et perçus par d'autres espèces et ils vont aussi savoir qu'il y a un danger dans l'environnement. Donc, il y a des communications intra- et interspécifiques, tout à fait. Quelle est la finalité, les objectifs de votre projet de recherche ? Alors, l'objectif, c'est vraiment de comprendre quelles sont les règles de communication. Donc, en étudiant, donc moi, par exemple, je me focalise surtout sur les pinnipèdes, mais ça permet de compléter nos connaissances avec celles qu'on a, par exemple, des oiseaux. Moi, j'ai mon collègue Thierry Aubin qui a beaucoup travaillé chez les manchots, où là aussi, on a des systèmes avec des structures sociales un peu différentes, avec différentes contraintes. Et donc, en comparant un peu toutes ces espèces coloniales qui ont des contraintes de communication parfois similaires, eh bien, on va regarder si, pour répondre à ces contraintes sociales et environnementales, est-ce que les différentes espèces d'animaux qui sont phylogénétiquement très éloignées ont adopté les mêmes stratégies de communication. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir généraliser en utilisant plusieurs modèles, mammifères, oiseaux, de regarder si on peut trouver des convergences de stratégies de communication. Ce qui nous intéresse pas mal en ce moment, comme de nombreux chercheurs, c'est l'impact du bruit, puisqu'effectivement, le bruit est un petit peu aussi une conséquence du changement climatique dans certaines zones, par exemple dans les zones polaires, en Arctique, on sait que la présence, la diminution de la glace à cette période de l'année va permettre de naviguer en Arctique plus facilement. Effectivement, ça va amener cette contrainte du bruit dans ces zones où finalement le trafic maritime est très très peu présent, ou en tout cas sur une période très réduite. Et donc là, effectivement, on regarde quel pourrait être effectivement l'impact de ce bruit sur les communications, puisque la plupart des mammifères marins utilisent la communication, utilisent les signaux acoustiques pour communiquer, mais aussi pour se diriger dans leur environnement marin, pour se nourrir. Et donc, on peut penser qu'une augmentation de ce bruit des océans va être néfaste pour leur survie. Vous avez déjà les résultats sur cette question-là ou pas encore ? Alors nous, c'est quelque chose qu'on commence à regarder, sur les pinnipèdes. Alors on regarde ça aussi au niveau des colonies de reproduction, donc plus par rapport à des bruits ponctuels comme des passages de bateaux ou auprès des colonies. Et on a pu déjà voir... On a fait une étude sur les l'Otaria fourrure d'Australie et l'Otaria fourrure du Cap en Namibie. Et on peut voir qu'effectivement, quand on les expose à des bruits de moteur, par exemple, effectivement, on a des interruptions, de nourrissage. Les animaux sont beaucoup plus vigilants, ils regardent. Donc, du coup, ça crée aussi beaucoup plus de mobilité. Les animaux, ils bougent. Donc, on voit que ça a un effet. Effectivement, et donc nous, l'idée, c'est de regarder justement quel va être le niveau de bruit qui va être le plus perturbant pour ces animaux. Et ça nous permet, par exemple, de pouvoir établir des distances à laquelle les bateaux ne doivent pas approcher, par exemple, d'une colonie pour pas perturber trop justement les animaux. On a besoin de cette connaissance fondamentale de dire, par exemple, dans le cadre des morses, comment ils utilisent les productions sonores, dans quel contexte, de bien connaître justement leur production vocale va nous permettre de pouvoir mieux cerner quand il y a du bruit, comment ça va agir.
Donc, si on connaît toutes ces données, on va dire physiques de leur son, on va savoir, bah, par exemple, un bruit de moteur, on sait que ça va masquer justement leur vocalisation, puisque ils partagent les mêmes caractéristiques fréquentielles. Donc, ces connaissances fondamentales vont vraiment pouvoir servir à mieux comprendre comment ces bruits liés aux activités humaines peuvent impacter leur communication, justement. Est-ce que, juste par rapport à l'évolution et au début de votre recherche, vous avez bénéficié de nouvelles technologies, de nouvelles instrumentations qui ont permis d'améliorer, en fait, non seulement la connaissance, mais aussi la prise d'informations auprès de ces animaux ? Parce que j'imagine que ce n'est pas très simple à appareiller, hein, un morse. Alors, sur les morses, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, dans le futur, pouvoir poser des balises acoustiques. Après, c'est vrai que c'est pas l'espèce la plus simple pour ça, hein, parce que bon, attraper un morse, ça se fait pas comme ça. Donc, je sais qu'il y a des collègues au Groenland qui ont pu justement poser des balises Argos sur justement sur les défenses, sur les grandes dents, les morses. Mais bon, ça nécessite tout un protocole. Il faut que l'animal soit à terre. Il faut du coup l'anesthésier. Donc, c'est vrai que c'est quand même une procédure, on va dire, qui est assez invasive, qui peut être dangereuse à la fois pour l'animal et l'expérimentateur. Donc, ça demande quand même un protocole assez, assez complexe, mais on va dire que c'est faisable. Pour l'instant, nous, on commence déjà à équiper des animaux un peu plus, on va dire, faciles d'étude, comme les lions de mer ou les otaries ou même les phoques, où là, on peut justement poser des balises acoustiques et vidéo et qui nous permettent notamment de savoir ce qu'ils font en mer, puisque moi, par exemple, la plupart de mes études, je les ai fait au moment où les animaux sont à terre, au moment de la reproduction, donc facilement accessible. Mais on a tout un pan de leur communication que nous ne connaissons pas, et c'est pendant leur voyage alimentaire en mer. Et donc là, c'est un volet que j'ai commencé à étudier. Et donc, les nouvelles balises, justement, qui existent depuis ces dernières années, nous permettent de mieux connaître, effectivement, le comportement en mer, puisque jusqu'à présent, on est incapable de pouvoir les suivre vraiment sans interaction, sans interférence. Ce sont des micro-balises qui n'ont pas d'influence sur le comportement de l'animal. Elles ne le gênent pas. Non, c'est des petites balises que l'on va coller sur leur fourrure. Donc, c'est des balises qui sont assez petites. On en a, c'est la taille d'un gros marqueur. Donc, vous voyez, c'est assez petit. On les colle. Ces enregistreurs, alors, soit il n'y a que le son qui nous permettent d'enregistrer en continu leur vocalisation. On en a d'autres un peu plus complexes où on a des capteurs de pression, des accéléromètres, donc qui vont là nous permettre de mieux comprendre à quel moment est fait la vocalisation, à quelle profondeur, dans quelle activité, si c'est par exemple en nage rapide ou au contraire à la surface, un peu au repos. Donc là, on a tous ces capteurs qui sont, on va dire, qui se complexifient et qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. Et on a des capteurs en plus avec des caméras, donc pour nous, c'est le rêve parce qu'on voit vraiment ce que fait l'animal. Est-ce qu'il interagit au moment où il fait sa production vocale? Est-ce qu'il est en train de chasser? Donc là, on est vraiment en temps réel, on peut vraiment voir ce que fait l'animal. Donc ça nous donne vraiment une opportunité de pouvoir vraiment découvrir ce que fait l'animal en mer. Parce que quand si on suit en bateau, on le dérange parce qu'il y a le bateau qui le suit. Donc on a un changement, on interagit avec son comportement. Alors que là, les balises, finalement, elle n'a pas de répercussion, on va dire, sur son comportement. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi les mondes polaires et puis qu'est-ce qui vous a donné le plus d'émotions, qu'est-ce qui est le plus incroyable, en fait, dans ces mondes polaires? Déjà, c'est des mondes qui sont, j'ai envie de dire, encore vierges, sauvages, où finalement on a encore peu d'activités humaines. On sait que c'est notamment en Arctique, il y a de plus en plus d'activités humaines, mais j'ai envie de dire que c'est encore des territoires qui sont préservés.
ce côté sauvage, toutes ces espèces que l'on ne voit pas ailleurs, finalement, en fait son originalité. Et c'est vrai que c'est passionnant. Des lieux qui sont magiques de par, justement, le fait que ça soit un peu inaccessible aussi à une personne particulière. Donc, ça rend un peu ce côté... un peu secret, et puis toutes ces espèces, comme vous disiez, qu'on ne voit pas ailleurs, donc c'est merveilleux, et donc j'espère que ces territoires resteront protégés, parce que c'est important pour notre biodiversité, et voilà, donc ma prochaine étape, c'est d'aller en Antarctique pour étudier les phoques de Wessel, donc j'espère que je pourrai le faire bientôt. Donc moi c'est quelque chose, le monde polaire est fascinant et donc on sait que c'est pas facile puisqu'il y a beaucoup de contraintes, non seulement pour y aller mais même nous pour faire les manips puisqu'on est très dépendant effectivement de la météo, donc ça c'est parfois frustrant. En Arctique, on pouvait sur un mois de mission, donc qui est quand même assez long, on pouvait travailler 15 jours sur deux. Donc, on le sait, mais bon, ça reste une frustration importante car on aimerait être tous les jours, sur le bateau, à étudier les morts. Donc, ça fait partie aussi du charme de se dire, une fois on peut travailler, puis des fois on est obligé d'attendre. Donc, ça fait partie de la nature. Lucie, tu es à nouveau dans le forum pour qu'on puisse découvrir le dernier totem de l'après-midi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le morse? Et puis en plus, il y a une statue également, une sculpture qui est présente dans cette exposition. Oui, tout à fait. Alors le morse, en général, on le reconnaît assez bien, notamment par ses grandes défenses qu'il a. Alors que ce soit un mâle ou une femelle, les mâles ont des défenses beaucoup plus grandes, on le voit comme ici. Et puis les femelles, elles ont des défenses un petit peu plus courtes et un petit peu plus fines, comme on peut le voir sur cette photo-là. Lucie, pourquoi s'intéresse-t-on aux sons produits par les morses? Alors, le morse, c'est un animal intéressant pour les études en acoustique parce qu'il utilise les vocalisations dans tous les aspects de sa communication avec ses congénères. Et notamment, il y a beaucoup de vocalisations dans la relation entre une mère et son petit. Alors les mères morses élèvent leurs petits pendant 2 à 3 ans, ce qui est assez long pour le règne animal, et pendant cette longue période, elle va de toute façon avoir besoin de s'éloigner de son petit pour aller se nourrir, pour fuir un prédateur ou une menace, et pourtant rester en connexion avec son petit. Donc elle va devoir pouvoir entendre ses vocalisations à lui, s'il a besoin de l'alerter d'un danger, et à l'inverse, pouvoir elle-même communiquer avec lui. Alors on le voit, donc la vocalisation est très importante entre la mère et son petit, mais en pratique, comment les scientifiques arrivent à étudier ces vocalisations? Alors, ce qu'il se passe, c'est que donc ces scientifiques, on le voit avec une partie du matériel qui est là, ils enregistrent des bandes son en enregistrant des petits, des individus adultes, et en mettant en relation les sons avec le comportement soit de l'individu lui-même, soit de ses congénères. On se rend compte que si un individu a l'air apeuré, le son qu'il produit peut être un message d'alerte pour ses congénères. Une fois cette bande-son créée, donc notamment en enregistrant des cris de petits, les chercheurs vont diffuser des bandes-son aux mères de manière plus ou moins lointaine pour justement pouvoir mesurer jusqu'à quelle distance une mère est capable de reconnaître le cri de son petit à elle, contrairement au cri qu'émettent d'autres petits, et jusqu'à quelle distance elle va pouvoir réagir. On observe son comportement, si elle relève la tête, si elle replonge dans l'eau pour accourir à lui, etc. Lucie, on en a parlé déjà depuis hier, on s'intéresse beaucoup à l'espèce, mais également à leur évolution, notamment dans un contexte de changement climatique. Qu'en est-il pour le morse ?
Alors oui, le Morse, on s'intéresse justement à cette acoustique parce que dans la perspective d'un changement climatique, on se dit que les activités bruyantes dans les mers de l'Arctique risquent de se développer. La navigation, la pêche, la prospection pétrolière, etc. Et donc c'est important de connaître comment les animaux communiquent entre eux et comment la pollution sonore produite par l'homme pourrait interférer avec leurs relations sociales dans l'optique eh bien, de pouvoir émettre des recommandations pour limiter cette pollution sonore et pouvoir préserver cette faune. Intéressant. J'ai une question sur Internet à te proposer de Nadia Dulude. Peut-on imaginer que plusieurs espèces cohabitant ensemble sur un même lieu, un même territoire et un même type de langage qui pourrait faire ainsi interférence entre elles du fait justement de vivre ensemble est-ce qu'il, par exemple, il pourrait y avoir une assimilation commune du langage ? Alors, interférence, je ne sais pas, mais par contre, on sait que certaines espèces animales sont capables d'en imiter d'autres, et on sait aussi que les animaux sont sensibles aux cris d'alerte en particulier que produisent d'autres espèces. Elles savent reconnaître que si cet animal-là émet ce bruit-là, c'est qu'il y a un danger, et que le danger est valable pour l'autre espèce, mais aussi pour mon groupe à moi. Lucie, merci beaucoup. Je te propose de venir me rejoindre sur le plateau pour le mot de la fin. Ainsi s'achève eh bien, ces après-midi tournés autour de cette très belle exposition « Animaux polaires, une vie de scientifique » exposée à Océanopolis, on l'espère, pour une réouverture et une découverte du grand public autour de cette exposition. Parce que l'Antarctique représente près de 7% de la surface de la planète, la sensibilisation de l'opinion publique sur les enjeux environnementaux, scientifiques, juridiques, économiques, géopolitiques apparaît essentielle. Il y a plus de 60 ans, le traité sur l'Antarctique a été signé en 1959 à Washington. Et je vous cite, il reconnaissait qu'il était de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques qui ne deviennent ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux. La qualité des travaux scientifiques français dans le domaine polaire est reconnue à l'échelle internationale et notamment grâce au savoir-faire et aux moyens dédiés de l'Institut polaire français. Aujourd'hui et plus que jamais, dans un contexte de changement climatique, de pression sur la biodiversité et de fausses informations, les connaissances et la transmission des connaissances scientifiques apparaît indispensable, n'est-ce pas Lucie ? Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on a effectivement essayé de faire à travers cette exposition Animaux polaires, une vie scientifique. Alors moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir la voir dès que ce sera à nouveau possible à Océanopolis, parce qu'on a parlé ce week-end de 6 des 12 espèces animales qui sont présentées. Il reste encore à découvrir le manchot empereur, le renne, l'albatros, la mouette ivoire et bien d'autres. Et j'en profite du coup pour remercier chaleureusement tous les chercheurs avec lesquels nous avons travaillé pour la conception de cette exposition, dont certains étaient présents en reportage avec nous ce week-end. Je remercie aussi Océanopolis hein, qui nous permet d'exposer cette exposition et qui a été un grand support pour l'organisation des émissions de ce week-end. Et enfin, je remercie les internautes qui ont été avec nous. Et je les invite à continuer à suivre nos réseaux, puisque avec ce séminaire polaire connecté commence toute une petite série d'actualités qui vont nous emmener jusqu'à la réunion consultative du traité sur l'Antarctique avec le partage d'archives, d'informations sur les mondes polaires. Merci Lucie, merci beaucoup. Ainsi s'achève ce festival polaire connecté. Rendez-vous donc en juin pour suivre les actualités autour de la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à l'Institut polaire français. Merci surtout à Aude et Lucie pour cette belle collaboration. Merci pour ce festival polaire connecté. Merci aux scientifiques pour leur soutien et leur participation. Merci aux équipes d'Océanopolis et particulièrement au service communication, au service audiovisuel et multimédia et au service médiation scientifique. Ces émissions et ces échanges seront retranscrits très prochainement dans leur intégralité sur Facebook et notre chaîne YouTube. Avant de nous quitter, eh bien à Océanopolis, le programme culturel continue et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain, mardi 6 avril à 20h30, connectés sur Facebook pour une nouvelle conférence avec une nouvelle thématique.
Je vous cite, les organismes marins ont-ils le rythme dans la peau? On va parler de chronobiologie avec Audrey Matt à 20h30, chercheur en écophysiologie marine. Alors, cette conférence interrogera la question du temps en biologie marine. Comment les organismes marins existent-ils dans le temps? Et comment le temps existe-t-il dans ces organismes marins? Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve mardi prochain. Merci Lucie. Merci, à bientôt. À bientôt.